3, 2, 1. All right! Et bonjour tout le monde, bienvenue au show du programme Le Show qu'on dit les vraies affaires. Alors, très content d'être avec vous cette semaine. Encore une autre capsule, qui se pointe encore cette semaine. Écoutez, cette semaine, je me suis permis d'être peut-être un peu moins sérieux que d'habitude, hein, parce que c'est à vous qu'on s'adresse, hein, c'est bien important. Donc, vous êtes toujours dans la salle et vous partagez un paquet d'événements, de gens, de choses. Alors, moi, je sais que ce que j'ai déjà remarqué, c'est que dans la majeure partie des gyms, souvent, il y a des gens qui ont du savoir-vivre, d'autres qui n'en ont pas. Et il y a des gens qui sont pas là pour les mêmes raisons. Il y a des gens qui sont là pour rencontrer des gens. Il y a des gens qui sont là pour s'entraîner. Il y a des gens qui sont là pour faire du bon santé. Il y a des gens qui sont là pour faire à moitié. Puis il y a des gens qui sont là pour rien. Bon, et voilà, c'est en plein ça. Donc, ce qu'on va faire cette semaine, on va faire une capsule qui est peut-être un petit peu plus humoristique. C'est beaucoup de choses que je suis allé chercher qui sont typiquement en anglais. Je vais vous les traduire au fur et à mesure. Vous allez voir, on va avoir du plaisir au travers de ça. Alors, tout simplement, alors cette semaine, alors à noter, c'est toujours le même principe. Si vous avez des suppléments à vous acheter, vous allez chez Feed. Alors, regardez sur le côté ici, là, c'est marqué Feed, Feed supplément. Alors, vous allez voir David Tremblay. Le beau David Tremblay, le fantastique David Tremblay, le merveilleux David Tremblay, l'incroyable David Tremblay, qui est lui-même dans la voie lactée de la Way au firmament du supplément. Alors, ce gars-là, c'est un peu le Stormtrooper, si vous voulez, du pré-workout, là. Donc, si vous avez quelque chose à vous acheter comme supplément ici à Québec, il est acharné directement. Alors, je vais mettre mes lunettes parce que ça va m'aider. Je vieillis un petit peu, hein. Coach, il a pris de l'âge. Hein? Bon, fait qu'à un moment donné, on n'est pas tout à fait ajusté. Donc, 8035 Avenue de l'Église, 988-3255, 988-3255. C'est directement en bas, sur le bandeau, lisez-le comme il faut. Et si c'est pas là, ça peut être en Europe avec Franck Allegra chez Westside Nutrition. Alors, Westside Nutrition, westside.nutrition@gmail.com, westside.nutrition@gmail.com. On peut le faire comme ça, donc c'est dans le département 05 des Alpes. C'est le 1 place Bontou. Moi, je trouve ça drôle. On dirait que je suis sur une autre planète quand je dis ça. C'est le 1 place Boutou. Oh yeah! Yes! Alors, si c'est pas ça non plus, je vous dirais, écoutez, j'ai deux autres personnes que je peux vous parler. Je vais vous le faire très vite. Et si vous avez des problèmes de voiture et vous voulez régler vos problèmes de voiture, Electroto, Electroto, les pros de l'auto. Fait que si vous avez des troubles de char, vous allez voir Yannick Giroux directement chez Electroto. Allez vous présenter là, allez parler avec eux autres au 2485 Boulevard Amel. Les pros de l'auto, vous allez jaser avec eux autres, vous allez voir, ils vont vous donner un bon coup de main. Et si jamais des fois vous voulez de l'intervention en frais de site web, vous avez Interweb Evolution avec David Laroche. Alors c'est une business qui fait ça depuis, je vous dirais, 7 ans et qui développe des médias sociaux pour différents types d'entreprises. Ils en ont fait environ pour une soixantaine de différents. Donc, à ce moment-là, alors, David Laroche de Interweb Evolution. Alors, 581-888-8078. David Laroche, 581-888-8078. Vous voulez avoir du contact réseau social Interweb, ça va vous donner un coup de main. Interweb Evolution. Alors, nous sommes en ce moment au live au 3055 Boulevard Amel, le 414. Le Gym Olympe, le seul vrai gym de la ville de Québec pour vous entraîner. Le seul vrai gym. Un vrai gym. OK? Et c'est peut-être là aussi que ça peut amener une certaine différence, parce que je vous dirais que quand vous êtes dans des gyms, monsieur, madame, tout le monde, vous avez de tous les comportements. Quand vous êtes dans des gyms privés comme le mien, il y a des comportements que j'accepte pas. Simplement. Exemple, moi, vous pouvez faire tout ce que vous voulez dans le gym, j'ai pas de trouble avec ça. Mais vous dropez pas. Ça, il y a rien que les amateurs qui font ça, je vais vous en parler de toute façon, OK? Donc, allez magasiner directement sur mon site du training, de la diète, du protocole de santé, du protocole de performance, des rencontres Skype avec moi, des conférences téléphoniques. Il y a plein de matériel avec lequel on est capable de travailler. Je vous le conseille fortement. J'ai encore une personne qui m'a contacté ce matin pour ça. Les gens aiment bien fonctionner comme ça. Je pense que c'est une très bonne méthode. Alors, gênez-vous pas. Allez au www.marc-antoine-grondin.com. www.marc-antoine-grondin.com. Allez magasiner sur mon site. Il y a un paquet de choses intéressantes. Et comme je vous ai dit, d'ici environ peut-être 2 semaines, je devrais être à même de... Parce que je suis débordé un peu. Je devrais être à même d'être capable d'éditer tous les nouveaux trainings et tous les nouveaux plans de match et tout le nouveau matériel que je veux mettre en ligne pour l'année 2023. Évidemment, ben, tout ce qu'on met en ligne au fur et à mesure est toujours là le temps qu'il existe. Hein, j'ai mis du matériel de 2022, il est fini. Profitez-en s'il y en a qui ont trouvé des affaires de fun à acheter, parce qu'on va les enlever et les remplacer, tout simplement. Okay? Donc, pour me rejoindre, toujours le même principe, le info en commercial marc-antoine-grondin.com. C'est assez facile à retenir, ça. Info en commercial marc-antoine-grondin.com. Hein, c'est qui le gars? C'est Marc-Antoine Grondin. C'est quoi son courriel? C'est info en commercial marc-antoine-grondin.com. Tu sais, sérieux, à moins d'être un hostitata, là, comme Justin Trudeau, bon, tu sais, je pense que ça rentre à un moment donné, là. Tu sais, ou ben, ça se dit-tu, là?
Un esti crétin comme François Legault. Bon, on va se le dire de même, OK, c'est bon. Non, excusez-moi, je me gâte. OK, donc, au Gym Olympe, tout simplement, pour nous rejoindre, c'est toujours le même principe. Vous m'appelez directement au Gym Olympe au 418-204-8246, le 204-8246. Faites le 1 à l'extérieur de la région médiatique de Québec ou le 00, parce que si vous êtes en train de regarder le show, c'est peut-être que la faune des gyms vous surprend tellement que ça devient aussi indécent que décevant. Oh boy, effectivement, oui. Donc, je vais vous parler un petit peu, mais j'ai trois parties à cette capsule-là. Si je regarde comme il faut, j'ai les imbéciles au gym. Hein, si on commence avec ça. Comment rencontrer une femme au gymnase? Hein, comment rencontrer une femme ou comment ne pas la rencontrer, hein, finalement? Puis, qu'est-ce qui affecte le plus votre training? Qu'est-ce qui fait en sorte que vos trainings ne sont pas bons? OK, il y a beaucoup de petits détails comme ceux-là qui sont à prendre en considération. Donc, trois parties. C'est un peu un quick drill time. OK, donc, je vais vous dire ce que je vais faire. Je vais vous le lire au fur et à mesure, puis ensuite de ça, je vais vous le traduire, OK? Alors, there are the things gym jerks have in common. Les clowns et les caves qui sont dans les gyms ont toutes quelque chose en commun, OK? Every gym have few people, you know, who are in the gym are pain in the ass. Ouais, il y a beaucoup de gyms où est-ce que vous allez aller. C'est pour ça que les gens souvent ne trippent pas à y aller. Souvent, vous avez des imbéciles heureux qui sont là. Ils sont heureux parce qu'ils savent pas qu'ils sont imbéciles. Voilà. Okay. Donc, je vous dirais, alors, some of these pricks can be so bad that they could make change your gym timing. C'est pas rare, j'entends ça, là. Il y a des gens qui choisissent d'aller à certains moments de la journée au gymnase pour pas rencontrer d'autres genres de monde. Exemple, moi, j'ai un gars que je m'occupe. Lui, c'est un homme fort. Lui, il se lève à 3h dans la nuit pour arriver au gym le matin vers 4h, 4h et quart. Comme ça, il n'y a pas un chat. Il n'est pas capable. Tu sais, les petits clients avec le téléphone, ces machines qui bisounent, là, puis qu'ils prennent des photos pour leur Instagram, puis le TikTok, là, puis pas capable. Il n'est pas capable. Le gars, il fait 6 pieds 2, 3,20. Tu sais, j'ai le goût d'en prendre un, là, puis de le bencher dans le miroir, là, tellement je suis plus capable. Tu sais, sérieux, il dit à un moment donné, ça tape ses nerfs. Tu sais, toi, t'es là pour t'entraîner. Tu sais, quand t'arrives à côté, il est là avec son téléphone, à rien foutre, là. Et tu y parles, puis il est là, ben là, ce sera pas long, il m'en reste un 7. Non, mais, tu sais, il y a même pas de politesse, là. Tu sais, à la place de dire, ben, prends ma place, fais-en un, je vais... Non, non. Trop un esti truc de cul, okay, excusez, là. C'est... Non, c'est parce que, je sais pas, je pense que c'est pas de même partout. Nous autres, ici, au Québec, there's something wrong. Il y a un problème avec le monde ici. Le monde ici n'a pas d'altruisme. Le monde ici sont individualistes. Sont tournés vers eux autres. Ils sont pas, souvent, les gens ici n'ont pas l'élémentaire politesse. Tu sais, quand vous allez dans des grosses salles d'entraînement, tu sais, du 15 000 pieds, du 25 000 pieds, du 75 000 pieds carrés, comme le Pro Gym de Montréal, souvent, vous avez pas mal tous les genres, mais souvent, des fois, vous avez trop tous les genres. Hein, vous avez des genres qui vous intéressent moins un peu. Mais, écoutez, on a choisi de faire quelque chose en social, ça vient avec ça. Ça aussi, c'est vrai, hein, votre liberté s'arrête ou celle des autres commence. Hein, c'est fait comme ça, OK? The worst part is that you can do nothing about it. Ça veut dire que le pire là-dedans, c'est qu'il y a bien des choses que quand même que vous sacreriez après ça, vous pouvez pas le changer. Tu sais, le monde est cave, ils vont rester de même. Bon, ça c'est un fait, OK? A single habit of these annoying people could be putting you off. Tu sais, c'est pas compliqué. Tu sais, de simples choses que ces gens-là font quand vous êtes là peuvent faire en sorte que ça vous enlève le goût d'être au gym, OK? Et le pire là-dedans, c'est que ces gens-là sont tout crash, puis ils font des choses de tout crash dans le gym, puis souvent, c'est parce qu'ils s'en rendent même pas compte. Hein, souvent, c'est ça le problème, c'est que c'est des épais. Hein, parce que, tu sais, on se le cachera pas, là. T'sais, on parle d'un facteur de vanité, là. Tu sais, souvent, on tombe pas sur les plus brillants. Tu sais, on tombe sur du monde, des fois, qui sont centrés sur eux autres. OK? Ou que leur idéal dans la vie, c'est ce qu'ils ont de l'air. Tu sais, moi, à l'âge que j'ai aujourd'hui, je peux vous jurer une affaire comme culturiste, ce que j'ai de l'air, c'est une chose importante. Moi, je considère ça important parce que c'est bon pour l'estime de soi-même. Ça n'a rien à voir avec les autres. T'sais, moi, ce qui est important, c'est que je sois Monsieur Univers pour ma femme. C'est ça qui est important. Elle me voit marcher dans la maison, elle est tout nue ou en boxer, puis elle trouve ça séduisant et masculin. Pensez ça, ce que le monde en pense... Excusez, c'est vrai de ça, là. Je m'en fous, là. T'sais, ça n'a pas d'importance pour moi, ce qui est important, ça. Puis quand je m'en vais sur un stage pour faire une évaluation, pensez ça entre les deux, là. Je vais être bien franc avec vous, ça me regarde. Okay? Donc, c'est probablement, quand vous voyez ça, que vous vous dites que ces gens-là, c'est des cornets, puis c'est des imbéciles, c'est des gens qui sont bien ordinaires. Et vous vous demandez, voir comment ça se fait que ces gens-là sont comme ça.
OK, bon, OK. Donc, il y a différents phénomènes qui peuvent se produire dans un gym. J'en ai, je vais vous dire, j'en ai cinq ici, là. Ouais, j'en ai cinq, OK, bon. Je suis d'accord avec certains, d'autres, je suis pas d'accord, OK. Loud grunting in the gym, OK. Les gars qui gueulent dans le gym, bon. Moi, ça me fait penser, entre autres, ici, moi, j'ai un gars ici dans le gym, il doit faire 5 pieds 6, 140 livres, là, puis il gueule tellement, là, vous avez même pas idée, OK, puis il gueule comme un hostie perdu, avec une paire de 10 dans les mains, là. C'est là que ça devient gênant, OK, bon, puis je sais pas pourquoi qu'il gueule de même, je dis, moi, dans le gym, j'en fais du bruit, là, mais il est ciblé. Tu sais, à un moment donné, j'arrive en fin de quatrième série, on fait du 12 à 15, je suis à côté, tu sais, ça va sortir. Tu sais, bon, je suis au bout. Tu sais, quand je suis au bout, c'est ça. Tu sais, je commence pas le premier set. Tu sais, à un moment donné, quelqu'un va venir te voir et te demander si t'es pas arraché quelque chose. Là. OK? Ou bien, tout simplement, la strap est poignée dans la poulie, là. Il se passe de quoi, là? Tu sais, t'as un serrement de schnauz avec un corps d'acier. Il y a quelque chose qui se passe. Tac, la strap. Bon, là, OK, t'aurais raison de gueuler. Pour ça, je pense que c'est trop. Donc, let's get this off of the way. Grunting dog doesn't make you cool, OK? We can understand you might be lifting heavy weights, but you don't really need to grunt if it's in the labor, where, sure, you could lift some weights while making much less noise. Tu sais, c'est correct, on comprend que c'est difficile pour certaines personnes de lever des poids, c'est harassant. On peut s'exprimer, puis je suis d'accord. Moi, le premier, j'étais un gars très bruyant. J'ai été mis à porte au moins de 7 à 10 gyms différents parce que j'étais un Christ d'enragé. OK, c'est correct, là. Tu sais, je suis pas gêné de dire ça, là. Je veux dire, c'est un fait, c'est factuel, là. Je vais faire le tour de la ville avec mon nom. Tout le monde va vous dire, ben, quand on grondait, oh, elle est malade mentale, oh, c'est ça. Elle craquait, le capoté, ben, c'est ça. La différence, c'est que moi, mon sport, je le pratique pour de vrai. J'ai mon physique qui parle en conséquence, puis les poids que je lève le traduisent. Je suis pas au gym pour perdre mon temps. Tu sais, quand j'embarque au leg press à 14 plaques chaque côté pour faire des séries de 25, tu sais, excuse-moi, on parle d'une job, là. On est pas en train de se bisouner avec des 10 chaque côté, là. T'es là. Eh non, c'est une joke. Tu sais, c'est comme un matin, je suis arrivé dans mon gym, là, il y avait le mollet assis, il y avait un 10 livres chaque côté. Écoutez, je pose pas de questions, là, mais je sais pas qui met des 10 au mollet assis, là. Tu sais, je suis parti en rire, j'ai fait « Ouais, il y a peut-être un petit manque de cœur, là. Tu sais, excuse-moi, là. Tu sais, ma femme, elle fait des mollets, tu sais, elle met une plaque, là. Elle met pas des 10 chaque côté, là. Ma femme, elle pèse 120 livres à tout casser. OK? À un moment donné, ça se dit, là, OK? Et il y a quelque chose qui est écrit ici qui est relativement très rigolo, c'est que ils disent que le nombre d'hommes dans un gym qui passent le temps à gueuler comme des caves est directement proportionnel avec le nombre de femmes qu'il y a dans le gym. OK, bon. Mais ça dépend du genre de femmes que vous avez dans votre gym. Moi, les femmes que j'ai chez nous qui viennent s'entraîner pour de vrai. Ils viennent pas séduire, ils viennent pas se montrer, ils viennent pas faire un show-out de cul. Ils viennent pas vous montrer le string, ils viennent pas parader, ils arrivent pas maquillés avec le bouc d'oreille de s'entraîner, là. OK? Ils viennent s'entraîner. C'est ça la différence, fondamentalement. OK? Donc ça, là-dessus, je suis d'accord, plus ou moins d'accord. Je vous dirais, écoute, ça, c'est un peu un stéréotype, au sens où est-ce que... tu sais, si vous allez dans un gym, non seulement vous allez avoir de tous les genres, mais vous allez avoir des gens qui travaillent pour de vrai, qui travaillent très fort. Si vous en voulez pas de ces gens-là, ben faites-vous un gym chez vous puis acceptez ça. Tu sais, c'est tout, là, ça vient de s'arrêter là. Puis moi, personnellement, je vais vous dire une chose, je suis jamais allé dans un gym en pensant que j'allais rencontrer une fille. Jamais. Jamais. Je suis jamais allé là pour ça. Jamais. Je sais qu'avec l'allure que j'ai quand je m'entraîne, les yeux, la face que j'ai, la manière que je travaille, la manière que je gueule, que je mets des plaques, que je tape ma job, je le sais que je ne suis pas à pas. Je vais vous dire ça comme ça, et c'est séduisant, là. Tu sais, je suis pas là pour ça, pas deux minutes. Je suis un bodybuilder, je suis là pour faire ma job. Le reste, là, on s'encontre à Saint-Cyboirise. Est-ce que c'est bien dit? Parfait, fantastique, OK? Donc, et on s'entend sur une chose, le plus fort, ça gueule, et c'est directement proportionnel avec la proximité des hommes et des femmes qui sont dans le même coin. Encore là, c'est toujours très relatif. Je vous dirais, tu sais, si on fait quelque chose de outstanding puis de différent, ben au contraire, les gens vont regarder puis vont trouver ça fascinant. Tu sais, le cave dans le gym qui gueule pour rien, le gars qui est au cable pushdown avec 50 livres, puis qui fait des sets de 10, puis il est là... Non, c'est sûr qu'il n'y a pas une fille qui vient de voir. On va te le dire tout de suite. Il n'y a même pas un gars qui vient de voir, tu comprends-tu? Personne vient de voir. Parce que tout le monde trouve que t'es un hostie de calice. On va se le dire, excusez, là.
Mais non, c'est parce que, tu sais, à un moment donné, moi, j'ai pas de trouble avec ça quand ça gueule dans un gym. J'ai aucun problème avec ça. Je trouve ça parfaitement normal. Faut que ça se justifie. OK? Faut que ça se justifie. T'sais, tu t'entraînes avec des... poids de fif. Excusez, je veux pas avoir l'air directif ni rude, là, mais... T'sais, tu t'entraînes avec des poids de fif, t'sais, tu te fermes ta gueule. OK, excuse-moi, ça entend. T'sais, moi, je vois des gars qui gueulent avec des poids dans les mains, ma blonde prend plus. T'sais, fait que, excusez, t'sais, le gars de la misère à curler des 25, ma blonde est là avec ses 30 à côté, puis tu l'entends pas. T'sais, je sais pas ce que t'as à gueuler avec tes bobettes, t'es Tarzan, mais là, calme-toi, là. OK, bon. Ensuite de ça, deuxième aspect, OK? Taking away the weights without asking. Hein, ça, là, j'ai vu ça souvent, puis surtout dans des clubs de deuxième ordre, hein? Dans des clubs comme chez Econo Fitness ou chez Energiocardi ou chez Nautianus. Même des fois, je vous dirais aussi chez Wild Gym, je vais le dire de même, comme ça on m'actionnera pas. Dans tous les autres gros gyms un peu, là. Hein, alors, vous avez toujours des gens, vous avez votre bouteille, votre serviette, votre training, vos affaires. Et là, vous revenez, et là, tous vos poids qui étaient avec vos... Vous avez pris un break, là. T'sais, vous êtes parti avec votre bouteille d'eau, vous êtes allé à la salle de bain, etc. Vous êtes revenu. Et là, vous revenez, et là, toutes vos affaires ont été tassées. C'est quoi ça? OK, ça, c'est ça. Ça, ça fait partie des épais. Hein? Les épais qui gueulent pour rien. Les épais qui n'ont pas la conscience sociale de s'occuper des autres. Alors, les autres, ils arrivent à quelque part, ils prennent ça pour acquis, ils s'installent. Every single gym around the world have these people. These gym jerks take away the weights from the barbell and the dumbbell with people are resting between their sets. And little courtoisy never hurt someone. Hein, un peu de courtoisie n'aura jamais blessé personne. OK? We get it. You saw one too many Talks Life and Jim's video. OK? Tu sais, ça, là, vous avez souvent vu ça là, dans les vidéos ridicules de Jim. Là, OK? C'est toujours très drôle à regarder. C'est ça, parfait. C'est en plein ça. Alors, vous voyez des barres qui sont loadées, des dumbbells, sur le plancher, etc. C'est toujours, tu sais, vous arrivez à quelque part. C'est toujours une bonne idée de commencer par le demander. Hein, vous arrivez à quelque part, il y a un bain, il y a du monde. Qui est ici? Hein, ça se demande. Moi, ça m'est déjà arrivé dans un gym. Moi, j'appelle ça, c'est vraiment un gym de troisième calibre. Là. C'est un gym que le dessin, là, c'est une boule. OK, c'est ça. C'est ça. C'est boule gym. On disait ça de même. Là. Nous autres, il y en a deux à Québec. C'est deux franchises. Ça, c'est le genre de place où ça arrive souvent. Alors, vous arrivez là, il y a un bain à épaule. Il y a des haltères qui sont là, il y a une bouteille, un training. Alors, on le demande aux gens à côté, y a-tu quelqu'un, personne. Et là, la première affaire que vous vous rendez compte, c'est que le calice de cave qui s'est installé là, il a mis ses affaires là, puis il est en train de faire du leg press à l'autre bout du gym. Et que, ben là, tu tasses ses affaires. Hein, ça fait 3 minutes que t'attends, puis personne vient te voir, à moins que tu fais, voyons. T'sais, il peut pas prendre 4-5 minutes de break entre ses séries, là. Fait que tu mets ces choses à côté, et là, tu commences à t'entraîner, puis là, il arrive. « Hey, t'as tassé mes affaires! » Excusez, ça fait 3 minutes qu'on demande qui était là. « Ben là, je suis là-bas! » Là, t'as peu. Si t'es là-bas, tes affaires sont là-bas. Pas ici. OK? Ou tout simplement, les gens, moi, j'ai déjà vu ça, là. Tu sais, du monde qui arrive, là, t'es en train de faire tes affaires, là. Ton setup d'alter est placé, toutes tes choses, là. Puis il arrive, il commence à enlever les poids. Excusez, quoi, je suis là. Bon, ben là, t'es là, mais là, moi, j'ai de quoi en faire. Non, t'as peu, là. C'est pour ça que je vous dirais que des imbéciles profonds dans des gyms, il y en a beaucoup. Prenez toujours la peine d'être aimable, poli, patient. Ça va vous aider. Mais moi, j'ai toujours la même manière de procéder. Je commence toujours par pourriez-vous, voudriez-vous, auriez-vous l'amabilité, auriez-vous l'obligeance. Moi, je commence toujours là. Quand la réponse est pas bonne avec ça, c'est OK, mon assis tabarnak, là, je m'en vais te parler, mon calice. Là, on change de discours. Comme ça, on est sûr quand même, on finit par avoir une réponse. Ça a l'air rude un peu, mais je vous dirais, c'est très fonctionnel. OK? Alors, taking away, alors, on a deux types d'idiots, là. Loud grunting, alors les gens qui arrêtent pas de gueuler pour rien. Taking away the weights without asking, les gens qui se débarrassent de tes poids sans t'en parler. Ah oui, ça, celle-là, moi, j'en ai dans mon gym d'être ça. Too badass to re-rack the weights. OK? If you're man enough to lift it, then you're man enough to put it back on the rack. OK? Ça, là... Ça, j'en vois beaucoup de ça. Ça, du monde là, qui laisse des dumbbells à terre, des barres loadées, des plaques sur des machines. Ouais. Le gars, là, il ta machine à dos, là, il met 2 plaques, 3 plaques, 4 plaques, puis il botche. Là. Tu le regardes, il part avec son 4 plaques, il est là,
Il a l'air d'un, cave, là. C'est un cave aussi, là. Bon, OK, c'est tel que tel. Mais lui, il part puis il laisse ça de même. OK? La personne qui arrive en arrière de toi, tu lui dis quoi? Il arrête de dire qu'elle te ramasse. OK? Moi, quand je fais, mettons, exemple, du leg-press pour l'autre comme un cave, moi, je laisse pas ça là. Parce que je me dis que la personne qui passe en arrière de moi, peut-être qu'elle, elle met pas ça. OK? Tu sais, quand je t'arrête de driver des dumbbells, peu importe le poids, je les lance pas en terre, là. Hey, ça, c'est loser. Ça, c'est loser. Eh, mon Dieu! Si t'es assez homme, tu prends ta paire de 120, t'es mets sur toi, t'es travailles, t'en sors 10-12, t'es remets sur toi, tu te relèves avec et tu t'en vas les porter au rack. Alors, effectivement, oui, tu manipules bien une paire de 120. Tu sais, si tu pognes tes 120, là, désespérément, comme ça, là, en shaker, pis t'es là, tac, tu crisses ça à terre. Bien, excuse-moi, là, tu te demandes pourquoi t'as pas de résultat, mais on va vous en faire une autre capsule là-dessus. Pourquoi vous avez pas de résultat? Ça, ça fait partie de la solution. Fait que tu t'entraînes comme un cave, t'es un cave, tu fais tout crash, tu t'entraînes pas bien, puis tu comprends pas ce que t'es en train de faire, puis tu viens au gym juste pour essayer de montrer quelque chose, je sais pas trop c'est quoi, là, t'as de la misère à t'identifier, là, à ta masculinité, il y a un problème. OK? Oui, voilà. Donc, c'est, ouais, c'est, ça, ça, ça résume vraiment ça. Unrack the weights can make complete mess in the gym. If you use many of this gym equipment, this is your responsibility to place them back. The next time you see someone not re-rack the weight in your gym, act as responsible people and ask them politely just to put back the weights, you know. And if it doesn't listen, you report to the authorities of the gym and surely we'll be on your side. Donc, c'est pas compliqué. Ça, là, quand vous voyez ça, dites-le. Hein, vous arrivez, mettons, à la machine à poulie, la barre en Z est en haut, il y a une corde en bas. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un ici? Bon, personne n'est là, personne n'est là. T'as un gars à côté, c'est toi qui as fini de t'en servir. Ouais, tu peux-tu me le replacer, s'il vous plaît? Ça se dit! Parce que tout le monde, imaginez si tout le monde... Excusez, là, je vais être direct. Imaginez si tout le monde s'en calisse. Imaginez ce que ça fait. Tout le monde en a rien à branler, là. Tout le monde utilise tout, laisse tout traîner par... Oui, alors, à un moment donné, t'arrives dans le gym, tu fais... Qu'est-ce que c'est ça? C'est le bordel total! OK? Puis arrêtez de penser que c'est la job du propriétaire de ramasser ça, ou que le propriétaire, la nuit, il engage des nains qui sont chargés juste de faire ça. Hein? C'est comme moi, chez nous, sur mon terrain, j'ai essayé d'engager des gnomes et des fées qui plantent des arbres à brun, je l'ai pas trouvé. Bon, OK. Alors, les imbéciles gueulent, mais gueulent pour rien. Les imbéciles enlèvent vos poids, vous le demandent pas, puis vous piquent votre place. Les imbéciles ne replacent pas les poids. Et les imbéciles, they're to pick up girls. Alors, ils viennent au gym pour ramasser des filles. Hey, salut, qu'est-ce que tu manges pour avoir des beaux yeux de même? Hey, les bébés sont pas tous des carrosses. Hey, j'espère que ça t'a pas fait mal quand t'es tombé du ciel. Elle te regarde et là, hey, toi, t'as l'air d'un ange. Tu sais, le genre de gros connard. OK? Tu sais, vous envoyez d'un bord, il y en a partout, là. OK? Tu sais, les gars, là. C'est ça, là. Oubliez ça. OK? Ça, là, ça fait juste taper ses nerfs. Moi, je me mets à la place d'une femme, là. Tu me tapes ses nerfs. J'ai même, moi-même, personnellement, des clients masculins que je reprends là-dessus. Peu importe c'est qui, peu importe c'est quoi, là, ça arrive, des fois, j'ai des clients, ils voient des femmes dans mon gym qui paraissent bien. J'en ai des filles qui paraissent très bien ici, là. C'est correct, là. La minute que tu l'as regardé, tu as parlé, tu excuses, quoi. Non seulement t'es en train de s'entraîner, là, mais moi, si j'étais elle, j'étais en train de me dire que toi, t'es un gros colon. OK? Comme si t'avais jamais vu ça de ta crise de vie. Ça va toujours me faire rappeler. Une fois, j'étais au Mega Gym, je suis capable de dire ça, parce que je suis pas en train de descendre personne. Puis, je me rappelle très bien, il y a plusieurs années de ça, là. Il y avait une fille qui était en train de faire du squat dans la Smith Machine. Et, moi, je m'en allais m'entraîner. T'as qu'un de mes chums. Je me demandais ce qui se passait. Tu sais, mettons que dans le coin de la Smith Machine, là, à cette place-là, il y avait 7-8 gars, là. C'est pas une joke, ce que je vous dis, là. J'ai vu ça de mes yeux vus, là, OK? Tu te demandes c'est quoi l'attroupement, là. Tu te demandes ce qui arrive, là. Puis quand la fille, elle accroche la barre, puis elle arrête, là, ça bouge. Il y a personne, là. Ça fait semblant. Puis là, la fille, quand elle retourne en dessous de la barre, claque. Là, c'est drôle, là. Ces machines-là, dans ce coin-là, là, ils n'ont toutes besoin. Moi, j'ai vu ça de loin. J'étais arrivé en marchant tranquillement. Je regarde ça. Tu sais, la fille est en train de squatter. Moi, j'étais arrivé en arrière des gars. Je regardais la fille. Je regardais les gars. Je regardais la fille. Je regardais les gars. Je regardais les gars. J'ai dit, sérieux, vous resterez pas là. J'ai dit, imaginez ce que cette fille-là est en train de se dire de vous autres, comment vous avez l'air des hosties de clowns. Et la fille finit son set, accroche la barre, et elle me regarde et elle me dit, j'attendais que quelqu'un le dise, j'en reviens pas. Ah, les 7-8 qui étaient là sont partis dans le gym, moi je les ai pas revus. Je sais pas ce qu'ils ont fait.
Et voilà. Hein? Alors, une vérité toujours bien dit, c'est toujours bien accepté. Voilà, voilà. Alors ça, retenez ça, mesdames et messieurs, il y a des choses, des fois, que tout le monde pense, tout le monde le sait, personne ne le dit. Des fois, ça fait juste du bien de se le faire dire, OK? C'est ça. Il y en a qui pensent que le gym, c'est une place pour aller spotter des chicks. Tu sais, ils s'en vont au gym, là, pour aller spotter de... Excusez, là, c'est bien québécois ce que je vais vous dire, là. Ils s'en vont là pour se taper de la touffe. OK, bon. OK. They are there to impress girls and almost no one of them is good at it. Ils essayent d'aller impressionner les filles, mais ils sont pas bons partout à ça, là. Le fait de lever des poids puis de faire des pauses, c'est pas ça qui va vous attirer des filles. Je vais vous le dire tout de suite, là. T'sais, moi, j'en suis un exemple flagrant. J'étais un culturiste, j'étais un bodybuilder depuis l'âge de 26 ans. J'ai 50 ans. Moi, j'ai rencontré ma femme dans un gym et elle-même, elle pourrait vous l'avouer, là. C'est pas en me regardant m'entraîner qu'elle m'a trouvé séduisant. Non. Elle a trouvé que j'avais l'air d'un débile. OK? Parce que moi, je parle avec les poids. C'est ça. Ouais, moi, je fais ça. T'sais, moi, là, je lui parle et je lui dis qu'il va en manger une salle. C'est ça. Et moi, je me mène tout seul dans mes affaires, je suis concentré. Tu sais, je suis dans mon monde, j'ai mes écouteurs. Là. Il y a personne autour de moi sur la terre, il y a juste moi. Je suis en train de faire ma job. Alors, je suis loin d'être sexy et séduisant, je peux vous le jurer. OK? Donc, bon. Tu sais, bon, on va être bien franc avec vous, il y a des meilleures places pour rencontrer des femmes que dans un gym. Hein? Tu sais, ben, quoi qu'aujourd'hui, depuis le délire de la propagande, les bars, les événementiels, les églises, les restaurants, mon Dieu, les lieux de rencontre, c'est rendu quelque chose de très, très, très compliqué, hein? Comme si se rencontrer et se partager, c'était quelque chose qui était bizarre. Puis aller dans un bar aussi, de toute manière, regarder comme nous autres, dans la province, dans le Québec-Istan, tu sais, ici, tu te fais tellement écœuré avec l'alcool au volant que tu sors dans un bar un soir, tu prends une bière en 4 heures, tu manges un baba au rhum, tu te fais coller là, par le débile mental, si Chris qui a un cégep fort. Là. Hey, là, mon boss, il m'a dit de regarder l'alcool au volant, où t'as l'impacté. Hey. Tu sais, lui, c'est parce que lui, c'est le nez brun, là, c'est le chien de poche à Geneviève Guilbeault. Là. Fait que là, ben là, il te fait souffler dans la balloune, pis là, là t'es en dessous un peu, là. T'es même pas dangereux, là. Oh, ben là, par exemple, on va être préventif, là, on va faire attention. Là, il commence à te sermonner. OK, tu sais, voyez ici, là, les gens, à cause de ça, ils ont plus le goût de sortir. Parce qu'ils savent très bien qu'ils sont pas capables de s'amuser moindrement. Ou, ce qui est responsable, c'est de sortir, se péter à la face, s'amuser, puis se payer un taxi, ou d'avoir un chauffeur désigné. Moi, dans ma gang à moi, j'ai toujours été chauffeur désigné. Donc, morale de l'histoire, il y a des places plus intéressantes pour rencontrer des filles que dans un gym. En tout cas, du moins, faites-en pas votre principale place. Vous allez peut-être être déçus, OK? C'est ça, avez-vous entendu parler des clubs, des bars, ouais, des parties, les amis, ça, c'est plus winner, c'est ça, yes. C'est ça, arrêtez d'être la distraction de monsieur, madame, tout le monde dans le gym, là, puis des femmes, là, parce que vous avez juste l'air d'un clown, OK? C'est ça, tu sais, Fais ce que tu es supposé faire dans le gym, là, puis laisse faire le reste. OK? De toute manière, s'il y en a une qui s'intéresse à vous, je vais vous le dire, elle va s'avancer. Vous pouvez être sûr de ça. Tu sais, moi, j'étais le genre de gars dans les années 90. Je m'entraînais avec mes culottes ballon, plein de trous, mes gilets, body rags, puis Ultimate Master Gym, Powerhouse Gym avec mes camisoles à bretelles, style genre spaghetti, avec ma casquette sur la tête, plein de trous, avec mes patchs de bande métal, puis mes bottes à cap avec les capes au vif sur le bout, là. Ouais, tu sais, j'étais loin d'avoir l'air d'un gars qui était attirant. OK? J'en ai pas là pour ça. Je vais m'entraîner. Moi, s'il y a une fille qui est là qui me trouve quelque chose, je suis bien content, là. Tu sais, moi, je vais pas là pour ça. Je suis jamais allé dans un gym pour ça. J'ai jamais considéré que c'était un critère. Moi, j'ai des gars que j'entraîne qui viennent pas s'entraîner chez nous. Ah, y a pas de femmes chez vous. Y a pas de femmes chez nous. Ça vient faire quoi là-dedans? T'es gras, t'es tout croche, t'as pas de shape, t'as rien changé, tu continues à manger des chips, pis t'as pas de résultat. Les femmes viennent faire quoi là-dedans? OK, toi, tu viens pas t'entraîner. La vérité, c'est que tu viens pas t'entraîner. Toi, tu t'en... Excusez, je vais être bien direct, là, excusez-moi, là. Oh, ça, du coup, je vais vous dire quelque chose qui est débile, là. T'sais, toi, tu t'en viens checker les plates. C'est ça que tu t'en viens faire. OK, excusez, c'est direct, mais c'est ça. T'sais, c'est, là, c'est... moi, ça, c'est comme les gars qui vont manger à broubouffe. T'sais, ça, peut-être que vous autres en Europe, vous avez pas ça. Il y a peut-être d'autres choses, par contre. Nous autres, ici, c'est la Brou-Bouffe ou Brou-Québec, là. C'est des restaurants où est-ce que les filles travaillent en petite tenue. Hein? Tu sais, la jupe, là, très courte, OK? Puis le décolleté. Hein? Et voilà.
Je veux dire que quand elle vient de porter ta soupe, là, ben, elle a les deux auréoles dedans. Hein, pis elle a « Salut, ça va? Hey boy! » T'sais, tu voyais le genre un peu, là? T'sais, ben, le genre de fille qui arrive quasiment à se vieillir, t'sais, elle vient de porter son sandwich. Sandwich au jambon toasté! Genre, t'sais, bon, tu fais comme moi. Hein. T'sais, elle vient de porter ton dessert, elle se vire la botte. Ah oui, un éclair au chocolat! T'sais, bon, t'sais, c'est un peu ça. Je dirais ça, hein. J'aurais un peu de la misère avec ça, c'est un peu cette mentalité-là. T'sais, moi, je vais au restaurant, je vais au restaurant. Si je vais dans un club des feuilleuses, je vais dans un club des feuilleuses. OK, je m'en vais là, je sais ce que je vais voir. OK, quand je vais au restaurant, je veux pas voir ça. Je vais aller manger. Je suis genre la crise de paix. T'sais, je suis pas capable de mélanger le cul pis le casse-croûte, mais je mélange pas ça, je suis pas capable. Je comprends pas. Allez, gars. Alors, les épais qui gueulent, ceux-là qui vous enlèvent vos poids, ceux-là qui sont pas capables de les replacer, ceux-là qui sont là pour creuser tout ce qui bouge, et ce qu'on appelle de bro science. OK, les ticlins, là, qui savent tout. Hein? Hey, gros, m'a dit, gros, qu'est-ce que ça prend pour être gros, m'a dit ça, moi. Ouais, c'est ça. Ça, ceux-là, on en connaît beaucoup des comme ça. These are the biggest gym jerk. Okay? You will always find them giving training and nutrition advice people. Alors, ceux-là, vous allez les voir donner des conseils à tout le monde, là. Ils savent de quoi qu'ils vous parlent. All their advice and methods are not science to back them up. Okay? C'est pas compliqué ce qu'ils vous disent, il n'y a rien de fondé là-dedans. Là. Bro science are the people who make it upon themselves to correct your form. Tu sais, eux autres, ils, c'est de la manière qu'ils s'entraînent, alors eux autres, ils vous disent comment ils s'entraînent pour vous corriger. C'est un peu ça, OK? Ouais. Wait. When have the advice for all this bro science remain from giving advice to anyone until you feel they will hurt themselves? C'est ça. Bon, alors eux autres, ils vous donnent la méthode, là, qui est supposée être la meilleure, jusqu'à temps que tes voix se cassent la gueule dans le gym, OK? Tous les corps sont différents et tout le monde répond d'une manière différente à tous les types de training, OK? Les gens essayent différentes formes de plans d'entraînement et... Oui, et ce qui fonctionne sur eux autres, après plusieurs années... d'essais et erreurs. Les gens se connaissent, les gens savent comment est-ce qu'il fonctionne. There's no one-fit-all solution. OK? Ça, ce que ça veut dire, ça, c'est ce qu'on appelle well, one-fit-for-all. Ça veut dire que c'est comme si on avait toute la même grandeur, toute la même couleur, toute la même odeur. Vous voyez, ça se peut pas. Ça fonctionne pas comme ça. OK? Chaque personne est différente. OK? Donc, voilà. Donc, il n'y a pas rien qu'une solution. Pas parce que lui vous dit que c'est ça, que c'est ça. Tu sais, j'ai beaucoup d'Européens qui travaillent avec moi qui me disent toujours que dans les salles, là, les ballons chargés, soufflés, là, ah oui, moi, je travaille comme ça, comme ça. Ouais, mais souvent, ce que vous allez vous rendre compte, c'est que non seulement ces gars-là sont pas suivis, ils ont pas de coach, ils n'ont pas de structure, mais ça, c'est ce qu'eux autres ont pogné sur Internet à gauche puis à droite à peu près, puis ils pensent qu'ils savent de quoi. OK? Bon. Donc. Oui, ça, c'est-tu le genre de monde qui vont nous manquer dans des gyms? Pas vraiment, je vais être franc avec vous. Oui, effectivement, oui, c'est le genre de personne qui suit Génération Iron, Facebook, puis TikTok, puis Click, toutes ces cochonneries-là. Tu sais, eux autres sont bien à l'affût de ça, ils connaissent tout ça. Donc, je vous dirais, effectivement, oui, dans un gym, vous avez différentes fonds, différentes personnes. C'est pas toujours facile, c'est pas toujours évident, mais on a choisi de le faire en commun. Hein? Alors, c'est pas comme vous entraînez à la maison. Moi, personnellement, vous me demandez de m'entraîner à la maison. Moi, je déteste ça, je n'aime pas ça. Je n'ai jamais aimé ça. Chez nous, c'est la joie, c'est le sexe, c'est le repos, c'est manger, c'est avoir du plaisir, c'est jouer avec mes rats, mes chiens. Oui, effectivement, oui, j'ai trois rats. Oui, j'ai le petit Larry, j'ai le gros Harry, puis j'ai Charlie Ledoux. Alors, moi, j'ai trois rats, ils sont super sympathiques. Donc, moi, chez nous, ça sert à ça. Ça sert pas à d'autres choses. Tu sais, j'aurais pas ça chez nous. Tu sais, j'ai même un de mes chums qui est super bien équipé chez eux. La première affaire qu'il me dit souvent, ouais, ben là, comment ça m'ennuyer, là, m'aller au gym faire un petit training. Ben oui. C'est pas pareil, venir au gym pour venir s'entraîner, c'est pas la même chose. Okay? Donc, deuxième partie. Okay? Comment rencontrer how to pick up a girl in the gym or how not to pick up a girl in the gym? Okay? Parce que ça, je vous dirais, ça a vraiment deux côtés, là. OK? T'sais, si vraiment vous pensez que vous allez rencontrer quelqu'un au gym, ben, on pourrait vous dire comment rencontrer ou comment pas rencontrer. OK? Donc, bon. Je vais le lire en premier, ça va m'aider. Let's face it, OK?
many of us get in the gym membership so we can get in shape and impress some girls. Bon. Il y en a beaucoup qui vont au gym pour se faire une shape, là, parce qu'ils pensent que ça va tout changer pour rencontrer une femme. Alors, remarquez bien, il y a une chose qui est sûre, c'est que si vous êtes plus dans votre peau, vous avez des chances de rencontrer des gens, d'être peut-être plus un petit peu plus rigolo, peut-être un petit peu plus ouvert, etc. Vous allez avoir plus un self-trust, t'sais, vous allez mieux vous sentir par rapport à ça. Ça, j'ai pas de trouble avec ça, OK? C'est ça. C'est ça. Tu sais, il y en a qui vont au gym, mais vraiment juste expressément pour ça. C'est peut-être pas la meilleure solution, OK? Parce que vous êtes pas au gym pour ça, vous êtes au gym pour vous entraîner, OK? Hein? La majeure partie des gens qui font ça, it sucks. Tu sais, c'est carrément ça. Tu sais, les fatigants qui courent, juste ça, là. Tu sais, là, toute manière, vous le voyez dans le gym, là. Les gars qui s'entraînent, ils s'entraînent. Tu sais, les filles, sont pas dans le calcul. Tu sais, vous êtes en train de vous entraîner. Vous voyez deux filles qui s'entraînent ensemble, deux autres filles là-bas. Petite madame tout seul. Tu sais, elle est là, elle est là. Hein, tu te lèves les yeux, elle a passé, comme deux gars auraient passé, comme trois gars auraient passé. Mais, pff, n'a rien à foutre. T'es à voix, salut, salut. C'est ceux-là qui sont là pour ça ne sont pas comme ça, là. Ils collent. Hey man, tu vas à fille? Hey, vierge, là, t'as l'air d'un cave, sérieux. Là, t'as l'air d'un solide imbécile, là. Yes, salut, Alex. Salut, Alex. Yes. Donc, OK. Ouais. Ouais. The risky part about hitting at girls in your gym, then you have to see them every day. Ben oui. Hein, tu sais, quand tu cours après tout ce qui bouge dans le gym, c'est parce que tu les vois toujours toute la semaine. Fait que, tu sais, à un moment donné, ben les filles, ils savent t'es qui, puis ils savent t'es quoi. Fait qu'à un moment donné, ils veulent plus te la voir la face. Fait que, tu sais, quand tu te pointes, ils s'en vont. Ils sont pas folles. Là. Yes. Salut, mon Sam, bonne fin de journée. Yes. Okay, yes. Donc, if things go wrong, you won't be walking around with the same confidence that you do now, okay? Ouais, effectivement, si ça va pas, ok, je vais vous compter de quoi après. Before you go embarrass yourself in front of pretty girls, this is a list of what you not should do, and what you should and what you don't, okay? Alors, voici peut-être une petite liste de choses que l'on devrait ou dont on devrait pas faire. Moi, je peux vous dire une chose. Moi, j'ai travaillé deux ans dans un gym. Je dis pas le nom de ce gym-là parce que là, on va tous savoir où est-ce qu'on est, là. À tous les années, les deux propriétaires du gym organisaient un party pour le gym. OK? Bon. Moi, je me rappelle très bien, moi, je travaillais avec un entraîneur dans ce temps-là, qui avait son bureau dans ce gym-là. Puis, on était deux, trois employés. Alors, il y avait moi, il y avait Mademoiselle C.A. Bon. On avait-tu d'autres? Il y avait moi, c'est tout, je pense. Ouais, pour l'instant, c'était ça. Il y a pas mal de nous autres. C'est ça. Puis, il y avait la personne en question. Donc, je me rappelle très bien que le propriétaire du gym était venu me voir pour me dire, tu viens-tu au party du gym à soir? J'organise un gros party chez nous, etc. Je regarde, écoute, moi, je suis débordé, je travaille dans la vie, moi, je viens de me séparer. Je t'arrête de repartir ma vie. Ça m'intéressait plus ou moins, ça me tentait pas de faire de social, encore moins de partager quelque chose avec des femmes, ça me le tentait pas. J'étais un gars très vaillant, très travaillant. Donc, ce qui était important pour moi, c'était vraiment de faire la job pour mes clients, m'occuper de mes affaires. J'avais trois jobs en même temps. Je travaillais dans deux gyms, j'avais un pro shop aussi ailleurs. Donc, je me promenais à trois places, puis j'habitais à l'autre bout de la ville. Donc, je peux vous dire une affaire, je me déplaçais, mais pas à peu près, là. OK? Tu sais, je faisais... Tu sais, j'étais dans le coin du lac Beauport, je m'en allais au centre-ville, je m'en allais sur la rive sud, je m'en allais dans le coin de Saint-Gabriel-de-Valcartier. Tu sais, je me promenais comme un fou, là, OK? Donc, moi, dans ce temps-là, ça me disait pas grand-chose. Alors, ce fameux party-là se passe cette fin de semaine-là, et moi, je suis là le lundi matin, et le lundi toute la journée, mardi, bon. Moi, je suis là, et je vois les gens qui reviennent au gym, ceux-là qui se parlent tout le temps, là, hein, ceux-là qui partagent toujours ensemble, là. Et là, je les vois revenir au gym, puis ça se parle pas fort. Hey, ça, c'est une tranche de vie, là. Ça, là, au champ du poids, mesdames et messieurs, ce que je vous dis là, c'est vrai, OK? It's a fact, OK? C'est factuel. Puis je trouve que le monde se parle pas, là. Tu sais, je me dis, coudonc, c'est quoi qu'il y a aujourd'hui? Ouais, le party, ça a été malade en fin de semaine. Ça a viré à tasse. Ça s'est-tu fait des traits de poudre? Si, ça a viré la brosse. Tu sais, ça a fumé des joints, ça de long, gros de même. Si, c'est quoi qui s'est passé? Bon, tiens, les gars, ce qu'il faut que vous sachiez, grosso modo, c'est que le party a fini à 4 heures du matin avec la police. Ça peut-tu vous donner une idée?
il s'est produit quelque chose de très, très, très malencontreux. Hein? Et du monde qui avait vraiment pas de classe. Hein? Tu sais, du monde qui sont en train de d'avoir des actes sexuels dans les salles de bain de la maison, puis qu'on est rendu 4-5 dans le code de porte de la salle de bain à les regarder, puis il arrête pas pour ça, là. OK? Non, non, puis il se prend des photos, là. Puis il y en a qui filment, là. OK? C'est sérieux! C'est débile! Ensuite de ça, ben là, s'il y a un spa dehors, fait que là, ben là, il se ramasse 3-4 dunes dans le spa, hein, puis là, c'est la première qui va enlever le haut, puis après ça, c'est la première qui va enlever le bas, puis après ça, c'est la première qui va commencer à se mettre le nez entre les jambes de l'autre. Mais non, pas de classe, là. Pas de classe. Puis là, ben là, à un moment donné, là, ça a tellement chiré, là, que là, c'était rendu à poil sur le terrain à lancer des bouteilles de bière aux voisins. Puis quand la police est arrivée, la police, elle s'est fait garrocher des bouteilles. Mais non, c'est sérieux, parce que c'est un délire total. OK? Donc, pour toutes ces raisons, je vais être franc avec vous, quand vous faites le cave dans le gym avec le monde que vous connaissez, c'est parce que vous allez les revoir. C'est ça le problème. Fait que je pense que ça, c'est pas une bonne idée. OK. Donc, qu'est-ce que vous devriez pas faire? Ben, je vais être franc avec vous. You might be a pro bodybuilder with a ripped chest and shred abs, but women don't really care about this. Tu sais, les femmes, ce que vous avez de l'air, c'est tel que tel. C'est pas comme les hommes. C'est très, très, très différent. Les hommes, ça se passe beaucoup avec les yeux. Les femmes, ça se passe beaucoup avec la tête, OK? Donc, you don't want to be labeled as a show-off person. Okay? Tu sais, vous voulez pas être identifié comme étant une personne qui est un show-off. C'est quelqu'un qui passe sa vie à se montrer. Il y en a qui aiment ça. Moi, j'ai jamais été de même. J'en ai connu beaucoup des comme ça. Tu sais, genre de gars qui amincissent les miroirs tellement qu'ils s'adulent, j'en ai connu, moi. Okay? This is a direct ticket to woman blocklist. And since you're reading this article, you don't want to end up there. OK, bon. Donc, c'est pas compliqué. Quand vous êtes comme ça, ben vous tombez sur la blacklist de la majeure partie des femmes. Hein, c'est vrai ça. OK? And on the other hand, you should mind your own business. OK? If you're good at working out, work out as if it's not, as if not, as if no one is watching. OK? There is something about guy, OK? Who don't give a shit with wish attract girls. Et voilà. Bon. Alors, tu sais, si vous êtes un bon culturiste, vous réussissez bien, vous vous entraînez bien, vous avez un bon physique, vous avez un bon développement, tu sais, vous vous montrez pas aux femmes. Ça vous intéresse pas. Tu sais, vous pratiquez votre sport, vous le faites pour vous et non pas pour personne. OK? Et ça attire les femmes. Ça, c'est bon, ça. Tu sais, le gars qui fait sa petite affaire dans son coin, etc., qui s'occupe de lui, qui est poli, qui est aimable, etc., qui est serviable, ben, tu sais, quand tu vas y parler, oui, bonjour, toujours aimable, toujours gentil, ben oui, ça, c'est séduisant. Le gars qui passe sa vie à se montrer, puis qui te parle de comment il a levé, puis... Non, ça, je vais vous le dire, ça, non, ça pogne pas. Non, ça déclare une sécheresse vaginale. Ça fait rien. Et voilà. OK, bon. Ça, ce bout-là, je peux l'enlever. Bon. Draw attention by doing stupid things. Ah, ben oui, hein, les gars d'un gym qui font n'importe quoi pour se faire voir. Hein, c'est ça. Hein, c'est parce qu'on en voit de toutes les couleurs, hein. Des gars qui font des jokes à leur chum, qui botchent un spot, qui passent des commentaires répréminants, qui font des jokes de cul, tu sais, qui font des spots à des filles, mais, tu sais, il y a spoté puis spoté, là. Hein, tu sais, t'arrives en arrière de la fille pendant qu'elle t'arrête de squatter, là, je veux dire, fais attention où c'est que tu te places. OK? Ou bien, tu sais, tu spots la fille pendant qu'elle t'arrête de faire des bras. T'es pas obligé de venir coller à la barre ici, là. OK? Quand t'as pas, elle est pas folle, elle s'en rend compte. Là. C'est ça qui est con. C'est que le gars pense que la fille, elle s'en rend pas compte. Elle ne voit que ça. C'est plus là que c'est pas bon, OK? Every gym has a guy who starts grunting out loud and where there's a chick around them. We get it. We have muscle and everything. But why don't you want to sound like you're going into labor. T'sais, c'est pas compliqué, là. T'sais, là, le gars là, qui veut attirer l'attention, là, t'sais, il y a une fille qui se pointe pas loin, là, il commence à faire l'imbécile. Tu vois ça tout de suite. OK? Voilà. If you think dropping heavy weights to the floor is badass, you're mistaken. C'est ça. Tu penses que de t'élever des poids puis de les crisser à terre, t'sais, tu penses que ça a l'air hot, là. Ouais, mais là, inquiète-toi pas, là. La fille, elle vire de bord, puis elle s'en va. OK, oublie ça, OK? It's considered to be douchebaggery, OK? Rather than badassery. Doing nothing has a better chance
of getting your notice as compared to going these things. C'est ça. Donc, je vous dirais de vous abstenir et de garder une mentalité beaucoup plus ouverte et beaucoup plus réservée. Parce que rappelez-vous toujours que c'est un sport individuel. Vous êtes là pour vous. Tu sais, ou bien vous avez votre training partner, vous travaillez avec, ça vient de s'arrêter là. Hein, ça dépasse pas ça. Si c'est d'autres choses que ça, c'est moi, je peux vous le dire, là. Je me suis entraîné, mon Dieu, attendez un peu, je vais vous le dire, mettons un exemple, j'ai fait le Physi Plus, ensuite de ça, j'ai fait le Cégep, ensuite de ça, j'ai fait le Maxiform, j'ai fait le Mega Gym, j'ai fait, lui, c'est quoi, le Formo Max, j'ai fait le Planète, j'ai fait, j'ai le mien, c'est, hein, j'ai le Gym Olympique. Ensuite de ça, je vous dirais, c'est honnête, là, vite comme ça, là, le World Gym, le Venice Gym, le XL Gym, t'sais, vite de même, là, je veux dire, je suis rendu à 10, là. T'sais, puis j'en oublie, là, OK? Ah oui, le Select Gym dans le temps qui avait déménagé, t'sais, on s'est vraiment promené, là, OK? Je peux vous dire une chose, j'en ai vu de tous les goûts et de toutes les couleurs. Puis tu vas pas au gym pour ça. T'sais, quand t'es plaisant puis t'es agréable, tu courras pas après ça. Tu sais, à un moment donné, tu te promènes d'un, d'une semaine à l'autre, toi, t'es au gym, puis tu recroises pas mal tout le temps la même fille sur tes chiffres à toi, là. Ça vient pas mal tout le temps s'entraîner à tes heures. Mais qu'à un moment donné, ben, tu sais, ta voix passée, tu le regardes, tu la trouves bien jolie, elle paraît bien, hein, bon. Bon, ben, ça reste comme ça. Tu fais pas un double check, tu sais, ta voix passée, tu fais, ben, ouais, beau petit chevreuil, c'est beau, parfait, c'est réglé. C'est réglé, c'est beau, bon. Mais qu'à un moment donné, ben, tu le recroises d'un soir à l'autre, des fois, tu lui dis bonjour. S'il y a de quoi qui va se faire, ça va se faire comme ça. À un moment donné, elle va peut-être même te demander un coup de main. À un moment donné, tu vas y faire un petit joke. Tu passes à côté, t'es en sueur. Elle est à côté sur une machine. Ouais, tu te donnes pas à peu près, toi, hein? Bon, etc. Puis là, tu commences à jaser avec elle. Hein? Ou tu lui proposes de l'aide. Ou ben, tu sais, etc. C'est ça, ça, c'est bon. Ça, c'est bien vu. Tu sais, tu lui proposes de l'aide. Attends, tu peux bouger pas. M'a t'aider à charger ta barre. Parfait, cling. Tu es correct. T'as-tu besoin d'aide? OK, bon training. Salut. Tu t'en vas. Dans la tête de cette fille-là, elle fait, ah, ben, écoute, il est serviable. C'est ça. Elle dira pas, il est achalant. Tu sais, si tu restes là pour le regarder, là, non. Non, je te dis que ça marche pas. OK? Moi, j'ai vu ça souvent. Alors, c'est là qu'on vient là. How to pick up the girls in the gym. Comment tu pourrais peut-être, éventuellement, partir avec une fille du gym ou la rencontrer ou jaser avec elle ou avoir un lien ou développer quelque chose? Bon. Offer help. Ben oui. Helping can never go out of fashion. Okay. If you're in the gym, crush needs a spot. Find a way to get there first for offer help. Okay. Make sure you're not too buggy. Okay. Don't give her tips of every exercise she's performing. Donc, c'est pas compliqué. Alors, quand tu vois qu'exemple qu'une fille aurait besoin d'aide dans le gym ou un spot, tu peux lui proposer, tu peux t'avancer, tu peux lui offrir de l'aide. Ça, c'est toujours bien vu. Commence pas à le reprendre dans tous ses mouvements. Tu fais juste. T'sais, sois juste cool. T'sais, sinon, elle va te prendre pour un douchebag là, qui pense qu'il sait tout. Elle va dire, lui, c'est un petit clin. OK, c'est en plein ça. Donc ça, c'est une bonne manière de voir. OK? OK, don't just limit your help to her. C'est ça, t'sais, fais pas juste l'aider elle. T'sais, comme moi, exemple, moi, dans un gym, moi, j'ai fait ça assez souvent. Moi, je suis le gars qui donne un coup de main à tout le monde, donne des conseils à tout le monde. Mais t'sais, moi, que ce soit une fille, un gars, un plus vieux, un plus jeune, ça n'a aucune importance. Dans ce temps-là, le sujet féminin répond à ça. Parce qu'elle sait très bien, elle dit, OK, lui, il aide tout le monde. C'est là que you become to be attractive. C'est là que ça commence à devenir intéressant. Tu sais, si t'es toujours en train juste d'aller aider des tatons, là, ben, à un moment donné, elle allume. T'as le regard, elle fait, OK, lui, il crouse tout ce qui bouge. Gros colon. Et voilà. Et voilà. Ça, c'est le genre d'affaire que t'as pas envie de te faire dire. On s'entend là-dessus, là. OK, parfait, c'est bon. On y va, c'est bon. On est sur le running, hein, monsieur Net. Parfait, fantastique. C'est bon, OK. Your dream girl will appreciate you more if she see you helping other people as well. Most gyms are full of bro science and jerk. Being there for everyone will definitely make you stand out. Donc, effectivement, oui, c'est ce que je vous dis. T'sais, si vous aidez les gens autour de vous, tout le monde, toutes les couches de gens, ben, cette personne-là, elle va allumer pas mal plus vite. Alors, offrir de l'aide, ça passe toujours super bien. Ça, c'est toujours une belle approche. Ça, c'est bon. Start the conversation. Hein? Bon, ça peut être gênant des fois, mais bon, hein? Tu sais, essaye d'engager la conversation.
Puis de toute manière, trompez-vous pas, si la fille n'est pas intéressée, elle devient inintéressante. Salut. Ouais. Ça va bien? Ouais. OK, pogne tes claques, va-t'en. OK, soit t'es tombé sur un agrat de pêche, ou bien soit ça y dit rien. Ça y dit rien, ben elle a rien à te dire. Moi, ça m'est déjà arrivé, entre autres, ça, là, vous allez rire de moi. Là. Ça, j'étais à l'université dans ce temps-là. Je suis au bord de la résille. Puis mes chums sont là, on est tous les gars de la faculté qui sont là. Ouais, les mecs de la fac, là, ouais. Là. Bon, puis on est tous là, puis il y a une fille qui est à côté de nous autres au bar. C'est pas parce que je la trouve la plus belle de la gang, là. Je dirais, elle est à côté de moi. Moi, mes chums, ils dansent, etc. Je suis seul. Moi, je prends mon coke diète, tu sais. Fait que j'ai quelqu'un à côté de moi. Je me dis, bon, ben, tant qu'à avoir quelqu'un à côté de moi, on tout bien parler, hein, ben. OK, salut, ça va bien? T'as te regardes, ouais, ouais. OK, t'es quel département ici? T'es en quoi? En science, telle affaire. OK, parfait. OK, ton nom? T'es plein, te regarde, ben, parle pas. Et calice. Tu comprends tout de suite ce qui est en train de se passer, là. Tu sais, là, t'es tombé sur une tarte, là. C'est elle, là, ça y tente pas. Elle, peut-être que plus son genre, c'est peut-être plus le genre de chevalier blanc, là, qui est en train de compter du violon pour la remplir. Peut-être que ça, c'est son genre. Et toi, t'es le genre honnête et transparent, t'es pas intéressant. Okay, et voilà. Donc, you can never be short on opportunities to talk to your lady love when you're in the gym. You can call to her at the water cooler and during one of those rest breaks, okay, on the treadmills. When you walk up to her, you need to be one of your game. Look straight into the eyes. Intéressant. And don't be scared and shy. Okay, bon. Alors, tu peux engager une conversation avec une femme dans le gym, entre tes breaks, là, mettons un exemple, quand tu prends un petit repos, tu passes à l'abreuvoir, ou etc. Puis, faut que t'aies l'air, tu sais, faut que t'aies l'air, pas incisif, mais faut que t'aies l'air directif, là. Hein? Tu sais, tu regardes la fille, tu la regardes dans les yeux, sors la poitrine, recule les épaules, bonjour, ça va bien, oui, toi. Tu sais, t'es là, là. T'as pas l'air d'un ver de terre à genoux, là. C'est important. OK? Et si t'as l'air d'une coquerelle, ça passe pas. OK, right, OK? Also, strike up the meaningful conversation. How much do you bench? OK? Will not be good icebreaker in this case. Effectivement, oui, hein, tu sais, ça, hein, tu sais, oui, tel exercice, tu mets combien? Mais non, ça, c'est pas bon pour casser la glace. Ça, c'est pas bon. C'est pas comme ça qu'on aborde. Tu sais, tout simplement. Tu vois une fille dans le gym, t'as beau s'entraîner un peu, t'as regardé avec ses chums de filles, t'as regardé comment elle est. Et t'arrives à l'abreuvoir. Ouais, encore un gros training à soir. La fille, elle te regarde, ouais, ben, on coupe pas là-dessus. C'est bien. Tu fais bien, je te vois souvent t'entraîner. Alors, la fille, elle s'arrête, elle te regarde, ben, elle va te dire peut-être, tu regardes quand je m'entraîne? Ben, je dis, moi, j'ai comme la manie de regarder un peu le monde, comment est-ce qu'il s'entraîne. Tu sais, je te dirais que ta job, t'en fais quand même assez bien. Effectivement, là, tu sais, t'es pas ici pour d'autres choses que de dépenser, c'est apprécié. Tu sais, ça, déjà là, en partant, t'es impersonnel, là. T'es pas en train de la flatter, là. OK? T'sais, tu viens-tu toujours vers ces heures-là? Ouais, ouais, pas mal tout le temps à cette heure-là. Ah, OK, parfait, c'est bon. Tu fais-tu juste ça t'entraîner? Tu fais quoi dans la vie, toi? Là, tu parles avec, hein, tu sais, tranquillement, pas vite. Ben, moi, je suis secrétaire juridique. Moi, je suis ingénieur. Moi, je suis waitress. Je sais pas, moi, je suis avocate. Peu importe. Je suis adjointe administrative. Je suis DJ. Je suis dessus, moi, bon. Fait que, tu sais, tu commences à découvrir un peu ses centres d'intérêt, puis t'en parles avec elle. Là, déjà là, t'es en train de te rapprocher, gros. C'est déjà mieux, là. OK? Et voilà. As go out for a quick snack. Ben oui. La minute que t'as fait un lien avec elle qui est pas pire, ben, on sort-tu d'ici pour aller manger quelque chose à se jaser autrement? Hein, on peut commencer là. Comme moi, ma femme, quand je l'ai rencontrée, une des premières affaires que j'ai faites, on est allé au café Aga sur boulevard Charest, puis je suis allé prendre un petit café avec elle. Je me rappelle très bien, j'ai mangé un petit carreau aux dates. Puis elle aimait ça aussi, les petits carreaux aux dates. Fait qu'on s'est pris chacun un petit carreau aux dates avec un café, puis on est allé se jaser. Hein, puis ma femme, à ce moment-là, elle me connaissait pas beaucoup. Moi non plus, je la connaissais pas beaucoup. Elle était très, 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 très timide. Je voyais qu'elle était timide. Mais je voyais que c'était une petite demoiselle qui avait de l'intérêt. Puis je la trouvais tellement gentille. Hein, elle était jolie, elle était aimable. Elle était polie, elle était réservée. Elle était douce. T'sais, donc, je me disais, j'ai comme l'impression que c'était une bonne personne. T'sais, c'était mon feeling à moi. T'sais, moi, je sortais d'une relation dans laquelle j'avais été chaudé, mais pas à peu près. T'sais, donc, j'étais pas prêt à me rembarquer, fait que moi, hein, je marchais à pas de tortue, là. J'étais pas pressé, OK? Voilà, donc, hein. When you become acquaintance, and if you're not, and the no talk, less already, OK? You stand a chance to take her out, OK?
okay? Take it slow. You shouldn't ask her out for a dinner date straight away. Since you're in the gym, you can ask her to a smoothie bar right after the workout. Effectivement, okay? If you, who is it hungry after the workout? This is the best time to get know each other out and figure who you are, okay? You're just in the good fit. The door to future diner dates is wide open after this. This is all you need to know to pick up girls in the gym, okay? Donc, effectivement, oui. T'sais, si tu penses que, t'sais, effectivement, si t'arrives de même comme un enragé, là, t'sais, moi, je pense que, t'sais, de t'inviter au restaurant, c'est drette là, ben ça, c'est pas une bonne idée. OK, bon, c'est peut-être directif un peu. T'sais, des fois, t'sais, toi, exemple, non, mais c'est parce que le timing, faut qu'il soit là, là, tu provoques pas ça, OK? T'sais, toi, t'as fini de t'entraîner, t'as ton sac sur l'épaule, tu t'en vas, t'sais, t'as beau sortir du vestiaire des femmes, t'sais, puis elle passe à côté de toi, tu te dis, excuse, quoi, tu viendrais-tu t'asseoir avec moi? On va peut-être prendre un petit shake, jaser un peu. En tout cas, si ça t'a le temps. T'sais, ah, ben, faites-vous-en pas, si elle est intéressée, elle va dire oui. C'est sûr qu'elle va dire oui. T'sais, si elle mouille son père de vous parler, je vous le jure, elle va dire oui. Bon, puis après ça, ben là, quand t'as pris un petit shake avec, après ça, ben là, tu peux peut-être te proposer d'autres choses. Hein, là, on peut passer à notre étape. Et voilà. Ça, ça a plus d'allure que de jouer au smart dans le gym, à gueuler partout, à dropper tes poids, puis à essayer de montrer que t'es un homme. Parce que un homme, dans le fond, dans sa vie, c'est pas dans le gym qu'il montre qu'il est un homme. Un vrai homme, c'est le respect qu'il a envers les autres, envers sa famille, envers ses amis, ce qui est dans la vie, ce qu'il est, ce qu'il a accompli, ce qu'il devient, hein? Et la virilité, c'est quelque chose qui s'achète pas. Hein, ce que je peux voir, moi, depuis moi, j'étais un gars qui est né sur les 12, et depuis sur les 12, je trouve que la virilité fait ça. Hein, excusez-moi, là, je vais vous le dire, là, c'est vraiment déconcertant, OK? Tu sais, je vois même des femmes, des fois, avec des hommes, je ne comprends pas. Je dis, Chris, jamais je croirais que tu trouves que ce gars-là, il a l'air d'être un mâle alpha, là. Tu sais, je capote. OK, mais bon, encore là. Aujourd'hui, des fois, je me dis qu'il se tape bien ce qui reste, hein, ça, c'est... Tu sais, aujourd'hui, c'est comme un buffet. Hein, tu manges ce qui reste, hein, c'est ça, c'est en plein, ça, OK. Yes. Ouais, c'est ça, exact, c'est ça, yes, voilà, parfait. Fait que s'il y en a qui ont des meilleurs trucs que le mien, ben, écrivez-moi. OK, parfait. Donc, troisième partie aujourd'hui de la capsule, des choses qui peuvent affecter votre entraînement. OK? Et ça, j'en ai pas 5000. OK? Donc, je vous dirais, premièrement, on peut commencer par une chose. OK? Le stress. OK? Le stress du travail. Ça, je vous dirais ça. C'est une des choses qui va vous enlever nécessairement, je vous dirais, une capacité de vous concentrer quand vous êtes anxieux, quand vous êtes nerveux. OK, c'est pas facile dans ce temps-là de bien performer. OK, exemple, moi, je peux vous le dire, moi, personnellement, depuis les trois dernières années, pour moi, c'est plutôt difficile un peu, par moment, de m'entraîner parce que je vis des choses que je ne contrôle pas, que je n'aime pas, que je ne veux pas, que je ne désire pas. Des soubresauts dans mon économie, des imbroglios dans les choses que je vis à tous les jours, des impondérables. OK, qui sont difficiles à gérer, des mauvaises surprises. Shit came by three. OK, ça, c'est un adage en anglais. La merde, ça arrive toujours à coup de trois. Tu sais, il y a du monde qui me dit, hey, tu sais pas quoi, j'ai fait euthanasier mon chien, mon char m'a lâché, puis mon ordinateur m'a sauté, ben, j'ai perdu mon téléphone cellulaire dans la même semaine. Ouais, c'est beau, c'est réglé, c'est fini. Un, deux, trois, fini. Salut. Shit came by three. C'est toujours comme ça. OK? Ouais, parce que ça fait monter votre cortisol dans le prélard, hein, OK? Donc, je vous dirais ça, c'est pas la meilleure chose, OK? Je vais juste prendre la peine de lire. Voilà. No matter how tired or busy you might be, you should never miss a workout session. OK, creating a pre-workout ritual, like listening your favorite music or doing a breathing exercise can be an effective way to getting in your own zone. Okay, effectivement. C'est moi, exemple, à chaque fois que je vais m'entraîner, je considère que... Tu sais, moi, j'ai toujours le même discours. Quand ça va pas, je vais m'entraîner. Quand ça va bien, je vais m'entraîner. Quand j'ai de la peine, je vais m'entraîner. Quand je suis heureux, je vais m'entraîner. Quand je suis anxieux, je vais m'entraîner. Quand je suis nerveux, je vais m'entraîner. Quand je suis de bonne humeur, je vais m'entraîner. Quand j'ai hâte, je vais m'entraîner. Je m'entraîne tout le temps. Pourquoi? Parce que c'est un canaliseur énergétique. C'est mon médicament numéro un. C'est avec ça que je suis capable de créer de l'énergie, de la détente, du repos, de me recentraliser, de me concentrer. Souvent, quand j'ai un paquet de problèmes puis je suis en train de m'entraîner, ça fait environ 45 minutes que je m'entraîne et là, je réalise que je suis en train de m'entraîner. Comprenez-vous? J'ai vraiment embarqué dans un monde qui est complètement parallèle au mien. Je suis sorti complètement de ma bulle de vie.
J'ai embarqué dans mon training parce que ça, là, toute mon attention s'est focussée là-dessus. Et c'est là que je réalise qu'est-ce qui s'est produit. C'est excessivement bon pour l'esprit et ça vous libère largement. C'est très important. Okay? Donc, je vous dirais quelque chose qui affecte votre entraînement directement. Le stress, ça, c'est quelque chose que vous devez gérer. C'est pas toujours facile. Hein? Un parent malade, une femme qui a des problématiques de santé, un enfant qui a quelque chose... d'incapacitants, des stress reliés, exemple, au climat de travail, des problématiques financières, mais pas quelque chose comme ça qui peut amener des stress dans votre vie. Donc, c'est toujours bien important d'être capable de se recentraliser, OK, et de revenir à l'essentiel. C'est vraiment un jeu entre tes deux oreilles, ça, OK? Tu sais, moi, quand je t'arrête de faire mon tapis roulant parce que je pars m'entraîner, je suis complètement concentré à aller faire exactement ce que je vais faire. OK? Et je ne pense à rien d'autre. Parce que quand je suis rentré le matin à mon club, en haut de la porte, c'était marqué « Vous entrez en scène ». Et quand on entre en scène, vous prenez votre paquet de problèmes, vous le laissez sur le bord de la porte. Parce que quand je vais ressortir à soir à 6-7 heures, mon paquet de problèmes, il va être encore là. Il sera pas parti. Donc, ça me sert à quoi de le mâcher toute la Christie de journée? Qu'est-ce que ça me sert absolument à rien? OK? Donc, je vais le laisser là, m'en faire ma job, puis je vais revenir. Okay? Deuxième, le repos. Ça, j'en ai déjà parlé. Don't be surprised if you can't establish a mind-muscle connection. OK? And the gym, if you're not, haven't slept well. OK? Ouais. You must following a routine. Include things like using your phone in the bed or switching off the lights after 11 p.m. can be helped. Ça, je le dis souvent aux gens, OK? Tu sais, c'est pas compliqué, votre sommeil est super important. OK, ça, là, la récupération. Tu sais, moi, personnellement, moi, je vais regarder la télévision, exemple. Je n'écoute pas les chaînes commerciales. Yes, monsieur le régisseur, ça fait 3 ans que j'ai fermé la TV. Tu clair? Je n'écoute plus la cochonnerie des médias propagandistes. C'est fini. Moi, j'écoute des films avec ma blonde. Je trouve ça super trippant. Bon. Donc, alors exemple, je suis en train de manger devant la TV en bas. On écoute un film, il est 7h30. On va regarder la télévision, on va s'écouter un petit film à peu près jusqu'à 9h. À 9h15, je vais me prendre mon spa, puis à 9h30, je suis couché. Hein, c'est en plein ça. Ça, c'est ma routine de vie à l'année. Là. C'est toujours comme ça. Là. Okay? Donc, moi, personnellement, mon téléphone, l'ordinateur, 2 heures avant de partir me coucher, je ne travaille pas là-dessus. Je n'ai pas ça dans les yeux. Je n'ai pas ça dans ma tête. Je veux rien savoir. Pourquoi? Parce que quand je pars à me coucher, je vais être absolument sûr que tout... C'est pas compliqué. Il ne se passe rien la nuit. OK? Toute la nuit, vous êtes là pour vous reposer. Vous ne réglerez pas de problème dans la nuit à vous lever, vous réveiller, compter, capoter, ça n'arrivera pas. Je sais, j'ai déjà fait. OK? Ça ne change rien. Ça ne réglera pas de problème. Il n'y a absolument rien. Il n'y a pas de commerce d'ouvert en plein milieu de la nuit. La banque n'est pas ouverte à 3 heures du matin. Les fournisseurs de suppléments alimentaires et d'appareils de musculation, le comptable, tout le monde est couché. Et ça ne sert à rien. Donc, la nuit, vous prenez de l'énergie pour retourner vous battre le lendemain. C'est ça qui est important. OK? Ensuite de ça, vous avez une diète qui est à chier. Ça, je suis capable de vous le dire, hein? C'est pas compliqué. La déshydratation cause de la fatigue, des maux de tête, des crampes musculaires. Elles font en sorte aussi que les muscles restent endoloris trop longtemps. OK? Donc, tu sais, s'il faut que vous buviez 6 litres par jour pour mieux vous sentir, faites-le, là. Tu sais, si vous avez d'affaires à manger pour mieux vous sentir, faites-le. Tu sais, c'est pas un caprice, là. Je veux dire, moi, le matin, je veux dire, j'ai un déjeuner, j'arrive au gym, j'ai une salade. Ensuite de ça, j'ai 2 scoops de whey après le training. Le jeune bouffe qui m'attendait, parce que je commence à avoir faim, pas à peu près. Ensuite de ça, je vais avoir un petit repas, je dirais peut-être plus en fin de journée, vers 4-5 heures. J'ai mon dernier repas de la journée vers environ 7 heures, 7h30. Tu sais, j'ai 6 repas dans ma journée, là. OK? C'est comme ça que je fonctionne, c'est comme ça que je me sens le mieux. Puis je mange toujours léger, des légumes, des riz, des pommes de terre, des pâtes, sans gluten, des viandes qui viennent pas du supermarché. Moi, je fais affaire avec des agriculteurs. Moi, j'achète un bœuf au début de l'année, je le fais débiter, je m'achète 500 livres de viande, je mets ça dans le tombeau. Salut, bonsoir. Quand je me commande des poulets, là, pac, 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 c'est des petits poulets, là. Ça, ça a couru dehors. Ça, ça a brouté du gazon, ça a mangé de l'engrais, ça a mangé de la moulée puis de la mélasse avec des pommes. Hein, puis ça a couru avec plein d'autres poulets ensemble, là, pac, 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 partout dehors dans le champ. C'est ça. Ça fait de la viande qui est bonne. C'est ça. Je sais pas, moi, dans le commercial, qu'est-ce qu'ils vous vendent, mais moi, je peux vous dire une chose. J'avais des problématiques de brûlement d'estomac puis de reflux gastrique. Puis depuis que j'ai changé ça et que j'utilise aussi la petite Michelle, la petite Michelle. C'est comme si j'avais une petite Michelle autour de la main. Ouais, pop, pop, pop. Non, la recette de Michel Gagnon. OK, le matin,
2 cuillères à table de vinaigre de cidre de pomme, 1 cuillère à table de jus de citron. Moi, tu mets ça soit dans de l'eau ou bien soit dans une tasse de jus de pomme pour faire rentrer tes métaux lourds à côté au maximum. Matin, soir, vous faites ça. On vous dirait une affaire. Depuis ce temps-là, moi, des replis gastriques et des problèmes d'estomac, j'en ai pas. Puis j'ai changé ma viande. Je mange plus de commercial. Je passe à la boucherie pour me chercher du jambon, de la dinde, du bacon. Tu sais, je vais là. Pourquoi je n'achète plus ce qui est commercial? Depuis ce temps-là, mon Dieu, que ça a changé bien des choses. J'achète du bacon Maple Leaf, je prends 3 tranches, je rate ça pendant 6 heures, brûlement d'estomac, reflux. Je me prends des tranches de bacon que mon boucher fait, j'en mange 8 tranches le samedi matin avec mes petites crêpes que je me fais. Chris, après 2 heures, j'ai digéré. OK? Donc, effectivement, oui, la diète comme telle, quand elle n'est pas bien calibrée, peut faire en sorte que vous ayez, finalement, un paquet de problèmes. OK? Oui, c'est même marqué ici. Reading labels and tracking calories should become a second nature if you're serious about your gains and you succeed in the gym. Okay, c'est bien important, ça va changer tout. C'est pas compliqué. C'est pas ce que tu manges qui est important, c'est ce que tu assimiles. Puis si tu assimiles pas bien parce que tu es toujours en train de roter le ballonnet, ben ça t'aidera pas à performer. Okay? Your muscle recovery relax. OK, donc c'est pas compliqué, vous n'arrivez pas à bien récupérer. Ça, c'est quelque chose qu'on voit assez souvent, je vais être franc avec vous. La récupération est incomplète, la récupération n'est pas bonne. Okay? Taking a day off of the gym can feel like a crime, especially if you're in the gym for 20 years, okay? But you don't need to, but you need to remember that you can give, you can give 100% in the gym if you're not feeling at your best. Okay, like Dorian Yates, what he said, he was saying, when you're going in the gym, you're going in the gym to have gains. If you don't, why the fucking hell are you doing here? Okay, ben voilà. Okay. Tu sais, si vous avez toujours mal, si vous sentez jamais bien, si vous sentez que vous récupérez pas, ben si vous tombez un peu en overtraining, ok, puis ça devient contre-productif. À ce moment-là, on tombe en catabolisme, ça c'est pas bon, ok. Tu sais, si ça fait pas, tu sais, exemple des fois. T'sais, moi, ça m'arrive des fois en 2 programmes. Moi, j'ai ce que j'appelle mon fucking 128. T'sais, alors, mettons exemple, 8 semaines en ligne qu'on s'entraîne comme des enragés. OK, bon, à un moment donné, le corps, là, tu vois qu'il commence à péricliter un peu. Là, il commence à trouver que c'est tough. Alors, dans ce temps-là, je fais 1 semaine, je fais juste 3 trainings. 3 trainings qui prennent 40 minutes. Pas plus. C'est une petite méthode que j'ai développée. Alors, cette semaine-là, vous êtes 4 jours à vous reposer. Vous mangez la même diète, vous changez rien, mais vous avez juste 3 jours de dépenses. Ça paraît. Quand vous reprenez la semaine d'après, là, hey, mon Dieu, que ça fait du bien. OK, quand vous sentez que le corps ne devient pas productif et ça marche pas, arrêtez 2, 3 jours, 4 s'il faut. Tu sais, un 3 jours arrêté, là, va vous dire une affaire, ça fait du bien. OK? Tu sais, quand vous sentez que le corps il peut pas récupérer adéquatement, faites-le. Faites-le, vous allez devenir plus productif. Au contraire, c'est pas vrai que vous allez perdre la shape, c'est pas vrai. Au contraire, vous allez en gagner. Parce que vous vous reposez. C'est là que vous allez gagner. OK? Hein? Rest day are blessed and disquiet. Okay. Recreational activities like yoga, swimming, biking can have on your muscle enough stimulation to help you recover. Hein? Faire d'autres choses que du gym, ça fait du bien. Okay, hein? If you're a serious lifter and having trouble with your muscle recovery, you should considering using supplements as protein, BCA, glutamine, and other supplements. They are game changer. Okay, helping your muscle recuperate from your gruel workout. Et donc, effectivement, oui, il y a une panoplie de suppléments que vous pouvez utiliser pour ça. Mais il y a une chose qui est sûre. Sortir du gym, faire d'autres choses, de l'escalade, de la marche, du vélo, de la nage, du sport, du kayak, du tennis, du yoga, n'importe quoi, faire d'autres choses, c'est bien assez pour garder vos muscles en stimulation, puis vous faire sortir du gym et faire en sorte aussi que vous êtes capable de mieux récupérer, mieux vous sentir. C'est là que ça devient intéressant, OK? Il y a une question de génétique aussi. On se le cachera pas, OK? Ouais, il y en a, tu sais, ça prend du cœur, on s'entend, mais le génétique joue pour beaucoup. C'est ça. Tu sais, combien de fois vous avez vu un partenaire dans un gym, vous êtes 2, vous faites exactement les mêmes trainings, les mêmes workouts, les mêmes affaires, et lui, mettons exemple, il gagne plus de bras, toi tu gagnes plus d'épaules, lui il gagne plus de dos, toi tu gagnes plus de jambes. Pourquoi? C'est génétique, c'est fait comme ça. Tu sais, vous n'êtes pas capable de changer ça. Ça, je vous l'ai déjà parlé, c'est quelque chose qu'il faut accepter, OK? Ouais. Oui. The good news here is while you could have genetically weaker muscle groups, you can make up for it elsewhere. Okay.
Your workout should be designed around the genetic predisposition. And if you are a slow switch muscle dominant, your excel and the exercise require burst and speed and power, okay, but will probably fatigue you quickly. Getting you to know that your body takes a lot of time to understanding what workouts you take, and even longer, so be patient. Okay? Donc, tu sais, il faut que vous trouviez le bon type d'entraînement, la bonne méthode, les bonnes personnes pour travailler avec vous, pour faire en sorte que vous développez comme il faut et que vous êtes capable d'atteindre vos buts de façon beaucoup plus rapide. T'sais, votre génétique, il vous trompera jamais. Vous êtes comme vous êtes, et ça c'est réel et c'est authentique. Okay? Alors, la raison pour laquelle les gens, des fois, ont de la misère à avancer parmi leur training, ou est-ce que ça mine l'entraînement, c'est que vous avez pogné un training sur Internet de Pierre-Jean-Jacques, vous ne savez pas d'où ce qui sort. Okay? Ça vous prend des trainings qui sont personnalisés, dessinés pour vous, pour vos objectifs, pour ce que vous faites. Puis vous faites des tests, puis des essais, vous savez ce qui marche, vous savez ce qui marche pas. T'sais, des giant sets, ça marche pas sur vous, arrêtez de vous obstiner. OK, bon. T'sais, j'ai des filles, moi, ils s'entraînent juste avec ça depuis 3, 4, 5 ans. Ils perdent même pas de poids. T'sais, soit tu manges trop, ben soit ça fait pas. Hein, c'est drôle, je me mets à leur faire des poids, je leur donne une diète avec un peu plus de calories. C'est drôle, ils se mettent à muscler puis ils se mettent à accoter. Ça fait coudonc, c'est quoi qui s'est passé? C'est peut-être parce que la méthode que t'as là, non seulement tu t'en es trop servi, mais elle est pas bonne du tout. Hein, faut à un moment donné être aux génétiques et faut être à l'écoute de ce qu'on est. Okay? Your mental health needs attention. Et ça, c'est quelque chose qui est excessivement important, qui aujourd'hui est vraiment dans le mood. On en parle beaucoup de ça et on en parle beaucoup plus de ça aujourd'hui. Là. Le mood par lequel, justement, les gens ont des problématiques de santé mentale. OK? Tu sais, dans votre tête, si vous êtes pas bien, dans votre corps, vous êtes pas bien. Et c'est fait comme ça. Tu sais, exemple, l'anxiété, ça vient pas de tout ce qui bouge autour de vous. Ça vient de votre tête. Le stress, ça vient de votre tête. Et tout ce que vous vivez vient de vous. OK? Parce que vous pouvez changer de sphère puis de tout ce que vous êtes dans la vie. Le point commun dans tout ça, il y a un point commun à toutes les sphères de votre vie. Là. Vos amis, votre job, votre religion, votre travail, votre sport, vous êtes toujours le même vous. Hein, c'est vous le point commun dans tout ça. OK? Alors, ouais. Life pressure can kill your mood and motivation on workout. Effectivement. OK? Deteriorating mental health can impact every aspect of your life, both physical and psychological. OK? Voilà, effectivement, quand vous ne vous sentez pas bien dans votre tête, ben, tu sais, vous pouvez avoir une dérive autant physique que psychologique. Les muscles peuvent avoir de la misère à récupérer, fatigue, insomnie, anxiété, mal aux joints, perte d'appétit. Alors, différents symptômes qui font en sorte que, oui, on est capable de se rendre compte, finalement, qu'il y a une certaine déficience jusqu'à un certain point. Puis là, c'est pas une raison pour aller consulter le docteur Feelgood pour vous faire prescrire des pelules. Il y a d'autres choses que ça dans la vie. T'sais, tenez-vous en santé, en forme, mangez bien. Vous allez voir que l'anxiété, vous êtes capable de passer par-dessus. J'en suis un vibrant exemple. Okay. Oui. Voilà, la majeure partie des gens qui sont ce qu'on appelle des therapists, t'sais, des psychologues, etc., vont souvent vous parler de faire du sport, bouger, faire de l'activité physique, vous tenir en forme. Ça va vous aider à avoir un meilleur mental. Ça va vraiment vous donner un bon coup de main. OK? Oui. Voilà. OK. Voilà. C'est pas mal ça. C'est pas mal ça. Parfait. Voilà. Alors, j'ai vraiment bien ciblé. Alors, ce sont toutes des choses qui sont capables de taxer votre training et de faire en sorte que vous n'y arrivez pas et que c'est plus complexe pour vous. Alors, aujourd'hui, pour faire un résumé, on a parlé des gens qui sont dans le gym, qui sont les imbéciles des gyms. Alors, je vous en ai parlé, vous savez très bien c'est qui. Alors, soyez indulgents et faites votre business, c'est bien important. Si vous voulez rencontrer des gens dans le gym, ben, soyez donc quelqu'un qui est beaucoup plus avenant que quelqu'un qui est fatiguant, ça va vous aider. Puis, différents types de facteurs qui peuvent contribuer au fait à ce que vous êtes capable d'avoir des meilleurs trainings et un meilleur développement. Alors, c'était la capsule pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. C'était une petite capsule un peu humoristique, un petit peu comme ça, et teintée de certaines impressions personnelles et voire même de faits vécus. Alors, nous sommes directement au 3055 Boulevard Amel, le 414 de Jim Olin, le seul vrai gym à Québec pour vous entraîner. Je suis rejoignable directement et très facilement au info@marcantonegrondin.com, info@marcantonegrondin.com. Et pour nous rejoindre, allez magasiner sur mon site, s'il vous plaît. Monsieur Net l'a refait au complet, ça vaut la peine, il est fantastique, merveilleux. J'étais encore allé hier d'ailleurs, j'avais beaucoup de plaisir à regarder ça, j'ai dit ouais, franchement, c'est pas botché. Alors ça, allez voir, ça vaut la peine, pour prendre des protocoles de santé générale, des protocoles de performance sportive, des appels téléphoniques, des conférences sur Skype, du training, de la diète, du conseil, du suivi complet en coaching. Faites affaire avec info@marcantonegrondin.com, Marc-Antoine Grondin, coach international,
connu beaucoup plus en Europe, en Afrique de l'Ouest, en Europe de l'Est, en Europe en général, que même dans son dans sa propre province. Mais du moins, il y a une chose qui est sûre, c'est que je crois qu'en date d'aujourd'hui, j'ai assez de notoriété de gens qui me connaissent, que si vous voulez avoir des bons... Je suis en train de vous dire que je suis le panacé, moi, là. Mais ce que je suis en train de vous dire, c'est que je pense que j'ai assez de connaissances et de gens autour de moi, que si vous avez vraiment des questionnements et des doutes et des choses que vous voulez savoir, si vous pensez qu'il y a quelqu'un qui peut vous aider, ça va me faire excessivement plaisir de vous donner de meilleures réponses peut-être que ce qu'on vous a donné, et au moins de prendre la peine de vous écouter pour vous amener à un autre niveau. We just level you up. C'est ça l'idée. Alors, pour nous rejoindre, vous faites le 418-204-8246, le 418-204-8246, faites-le à l'extérieur de la région médiatique de Québec, ou le 00, parce que si vous êtes en train de regarder le show, c'est peut-être que maintenant, votre savoir-vivre est à jour, et que vous êtes désormais l'Adonis du culturiste, et voilà. Alright, ça m'a fait excessivement plaisir d'être avec vous cette semaine. La semaine prochaine, je vous parle un peu, je vous dirai, je vais regarder avec vous différents types de suppléments. Leur composition, qu'est-ce qu'ils donnent, des multivitamines, des whey, etc. Je vais vous parler un peu de ceux-là que j'aime bien, puis on va identifier aussi certaines choses qui sont peut-être plus à jour que d'autres, ou des choses qui sont plus intéressantes à utiliser que d'autres. Hein? Parce qu'aujourd'hui, des suppléments, il y en a, là, ça finit plus. Bon, à un moment donné, des fois, il y a peut-être un cercle de suppléments qu'on soit capable de garder, puis de se dire qu'avec ceux-là, on a quelque chose de bien, puis se proposer des compagnies, des marques, des agencements. Alors, on en regardera ça ensemble. Alors, je vous revois la semaine prochaine! Au show du pro!